On habite une ville minuscule qui s'appelle Skeleton Creek, où il n'y a strictement rien à faire. La seule chose intéressante ici, c'est la vieille drague abandonnée quelque part dans les bois. Elle a des carreaux cassés, une machinerie effrayante déglinguée, et un fantôme. Ou en tout cas, une légende sur un fantôme. Le vieux Joe Bush, un ouvrier qui a été tué sur la drague, était censé hanter l'endroit. Je n'y ai jamais cru, et Ryan non plus d'ailleurs. Jusqu'à ce qu'on le rencontre. Au début, c'était une apparition à la fenêtre de la drague. Ensuite, ça a pris une tournure personnelle. Un petit peu trop personnelle. Pour Ryan, surtout. On s'y trouvait en pleine nuit, et alors que j'étais en bas et Ryan à l'étage, ils se sont quasiment rentrés dedans. Ryan est passé par-dessus la rambarde et a atterri plusieurs mètres plus bas, se cognant la tête et s'amochant sérieusement la jambe. Il est resté assez longtemps à l'hosto, et nos parents nous ont interdit de nous voir parce qu'on avait toujours l'art de s'attirer des ennuis. Mais pendant sa convalescence, je poursuivais l'enquête, et on a vite trouvé un moyen de s'envoyer des messages et des vidéos pour essayer de découvrir ce qui s'était passé cette nuit-là, et si c'était vraiment le fantôme du vieux Joe Bush qui avait poussé Ryan par-dessus la rambarde. Le nouveau garde forestier, Daryl Bonner, continuait à nous créer des difficultés, et il donnait l'impression de détenir lui aussi des secrets. Puis on a fait une grande découverte. Il existait dans notre petite ville une société secrète qui s'appelait le Crâne. Et elle avait un rapport avec l'or volé, la drague et sa pièce secrète. Le père de Ryan s'est avéré être membre du Crâne ainsi que Gladys, la bibliothécaire. Apparemment, tous les autres membres étaient morts, y compris le type dans le film qu'on a trouvé, qui se faisait appeler l'apôtre. Et le docteur Watts, dont j'ai découvert le corps sur le canapé de son salon, alors que je pensais qu'il était à une réunion. Mais ça, c'est une longue histoire. On a trouvé un truc qui s'appelle un cryptex dans la pièce secrète, et Ryan m'y a enfermé pendant qu'il affrontait le vieux Joe Bush. Mais Bonner, le garde forestier, qui était en fait le fils de Joe Bush, s'est interposé entre eux. Le fantôme est tombé au même endroit que Ryan quelques semaines plus tôt. Le père de Ryan a débarqué, et quand Bonner a ôté le masque du fantôme, on a reconnu Henry, le meilleur ami du père de Ryan. Ce qui a bouleversé tout le monde, y compris Ryan, qui aimait beaucoup Henry. Ryan a alors découvert que l'or volé était dissimulé sous les lames du plancher, dans toute la drague. Mais pendant qu'on attendait l'ambulance, Henry, qui gisait sur le sol, à peine conscient, s'est levé et a disparu dans la nuit. Tout ça m'a rendue soit complètement parano, soit nettement plus prudente. C'est à vous de voir. J'ai donc décidé de ne plus me montrer dans les vidéos. Au pire, vous apercevrez mes baskets. N'importe qui peut fouiner sur Internet. Il vaut mieux se méfier. Ça reste tout de même le meilleur moyen de communiquer avec Ryan. Et l'aventure n'est pas terminée.